impressive. At the very precipice of oblivion. Uncertainty, the birthplace of dread. Injury and despondence set the stage for heroism or cowardice. Instruments pause, but the symphony will soon continue. I can still see their angry faces as they stormed the manor. But I was dead before they found me. And the letter was on its way. Donc normalement, j'ai rattaché le petit morceau là de la ferme. Donc j'ai réussi, c'était avec quoi? C'était avec les bandits et tout ça, et en riposte, c'était pas mal. Après, j'ai refait un run avec Ornstein, Vanguard. Ornstein, j'avais oublié d'augmenter les attaques, donc maintenant elles sont à 5. Vanguard, le bouffon, et après Bourdekin. Ça s'est super mal passé. J'arrivais pas à passer le premier boss. C'est fou. Ornstein voulait pas vraiment. En plus, on avait des. J'avais mis Vanguard avec genre ça. Genre le bonus sur cible. Puis je gardais. Donc il y avait critique 8%, précision dégâts.
Ornstein était buffé parce qu'on venait juste de dormir. Donc il y avait accuracy plus 10 de... c'est quoi? Non, critique plus 10%. On avait le jester qui faisait aussi critique et tout ça. Je crois qu'on montait à 56% de critique. Un truc comme ça. Genre j'ai tapé 5 fois d'affilée, il n'y a pas eu de critique et tout. Petit à petit en fait, le boss, le premier boss, là, le mec, le fermier, nous a petit à petit défoncé. Donc j'ai dû quitter. C'est atroce. Je sais pas. C'est trop étrange. Donc ouais, j'ai l'impression que pour le moment, je dirais le double brise-bouclier est vachement bien. Je dirais que c'est vachement bien. Ou alors un brise-bouclier dans l'équipe, c'est vachement bien. Et après, le bandit aussi, avec la riposte. Après, Vanguard, il a fait un boulot ok. Il a fait un boulot ok, avec de la riposte. Mais il faudrait avoir ça, là. Il faudrait un deuxième, en fait. Pour voir si on peut vraiment faire des gros dégâts avec de la riposte. Mais ouais, non, les furies, moi, je passe un très mauvais moment sur les furies, en fait. Alors après, encore une fois, elle a des mauvais attributs. Enfin, heal, enfin, bref. Des mauvais attributs pour une furie. C'est vrai qu'on n'a pas, genre, critique 5%, on n'a pas des dégâts en plus et tout ça. Mais même, c'est vraiment une atrocité, quoi. Donc, ouais, j'aime vraiment pas les furies. J'aime vraiment, vraiment, vraiment pas les furies. Donc voilà, donc du coup j'ai beaucoup de gens qui sont stressés, voilà, tout simplement. Et Vanguard a failli crever aussi, donc je suis allé me renseigner. Désolé, il faut qu'on balance des gens en... dans les trucs. Ouais, non, là j'ai mis Bourdekin, donc tout ça c'est plein. Vanguard, on va peut-être l'envoyer déstresser, peut-être, je sais pas. Ouais, on va déstresser des gens. Donc je disais, quoi? Je sais plus, merde, j'ai perdu le fil de... Vanguard a failli crever. Donc du coup je suis allé voir ce que ça faisait, ah super. Ce que ça faisait en fait de mourir là-dedans, parce qu'on se rappelle qu'on avait vu un mec des cristaux là, qui était là-dedans. Et du coup il est... il a disparu en fait. Donc il meurt pas. Donc après je suis allé regarder sur internet. Donc il meurt pas, mais ils peuvent être disparus pendant une ou deux semaines. Par contre, les objets qu'ils avaient sur eux disparaissent. Et apparemment, c'est l'oiseau là qui nous avait attaqué, qui va faire en sorte... Moi je l'ai fait déstresser en fait. Je pourrais complètement le jouer. Enfin, c'est pas grave. C'est l'oiseau là qui nous avait attaqué une fois, enfin qu'on était allé attaquer, où on peut récupérer les objets. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc ouais, c'était un peu nul. Un peu nul. Donc, on a du sang à récupérer. Là, on a objet trouvé. On peut faire objet trouvé. Objet trouvé, c'est quoi? C'est, je crois, une augmentation gratuite. Bon, par contre, il y a la bestiole là, qui traîne. Est-ce qu'on peut faire... Ah, on peut faire le chien, peut-être. On peut faire le chien, mais il faudrait du bon, alors. Donc, ouais, je sais pas. J'ai du mal à faire des longs combats, apparemment. Pourtant, je fais des boss très facilement et tout. Mais... on peut utiliser Woodville. Est-ce qu'on a du soin? On a Raincourt pour le soin. Ouais, non, mais par contre, il y a la chose en fait qui rôde, donc je veux pas avoir une équipe un peu, enfin, bancale, quoi. Il va me falloir des dégâts. Montag à la limite. Je sais pas. Embête. Ça m'embête. Ou alors, on va faire du vétéran. Du vétéran vinificateur à la limite pour récupérer un peu de sang.
On a Léonidas qu'on voudrait augmenter. Il y a Corbett. On a encore un saignement. On n'a pas de soin. On a du soin en bas niveau ou pas? Non, on a que dalle. Par contre, on a un jester. On n'a pas de soin en bas niveau, en fait. Ça, c'est un problème. Ça, c'est... Ah, bah si, mais non, si, je suis con. Mais oui, on a l'occultiste. Par contre, peut-être le ça, il faudrait l'enlever. Qu'est-ce qu'on fait? On fait comme ça? Ah oui, non, l'occultiste à la place. Ça peut être pas mal, peut-être, pour un run court. Ouais, peut-être pour un run court, à la limite, j'ai envie de dire. Toi, tu vas prendre le stun. Avec ça, c'est potable. Toi, tu vas attaquer. Ah, et du coup, on va pas pouvoir faire recul. Parce que sinon, on va mettre lui devant. Et lui, il va plus pouvoir faire grand-chose. Quoique, enfin, si, dans un sens, si, il peut. Mais après, on peut pas le remettre en arrière. Donc ça, on va pas le faire. À moins que ça soit le dernier coup. On est bon. On est bon. On va faire notre récupération de... Notre petite récupération de... Je vais y arriver. De sang. Alors les points talent spectral. Ouais. Au final, est-ce que c'est vraiment bien une lance si on fait pas... Enfin, c'est dégâts 15%. Bon, l'infection, c'est bien. Mais si là, on le joue pas, on... En faisant de l'infection, ça reste, c'est pas vraiment très intéressant. Donc au final, bof. 33% d'HP, c'est pas mal. J'avais aussi testé un truc, c'est que j'avais mis ça sur un occultiste. Pour augmenter les dégâts et les critiques, c'est pas mal. Hein. Sympathique. C'est très sympathique. C'est tout du mêlé, hein. Il n'y a que ça, c'est distance. Ah non, il y a du mêlé, il y a du distance quand même, merde. On va sûrement avoir des vampires en plus du coup, mais c'est pas trop grave. C'est pas extrêmement grave, précision écrite. On peut mettre les dégâts contre les suceurs de sang, tout simplement. C'est vrai qu'on peut faire ça. Je sais plus ce qui donne ça, par contre. On a quoi, la critique et précision? Désolé, je mets un peu de temps à chaque fois à trouver les bonnes choses. Plus vraiment l'habitude. J'ai fait une petite pause aussi de jeu entre temps, donc du coup. Précision et protection. Ah non, ça m'intéresse pas vraiment. Non, on veut juste des dégâts en fait. Bon, je vais juste mettre du 20% de dégâts, je crois. Ouais. Précision, crit et 20% de dégâts en plus. Comme ça, on va attaquer n'importe qui. On va faire des dégâts à n'importe qui. Toi, comme d'hab, tu prends ça. Avec le truc en vert pour de l'esquive en plus. Il est où le... Il est là. Toi. Ça. Avec ça. Et toi. On n'a pas besoin de soins. Toi, juste de l'esquive et de la vitesse en plus en fait. Pourquoi t'as attribué moins 5? Oh, t'as effacement! Oh là là, catastrophique, putain. Aïe, aïe, aïe! Ah, oh, on... Hein? C'est galère, quand même. Hein.
Peut-être faut que je passe plus de temps à mettre les gens au repos là avec les maladies et tout ça. Faut que j'y pense en fait. Parce que j'y penserais pas vraiment. Voilà, très bien. Très bien. Ça, très bien. Ça, très très bien. Il y a aussi ça. Ouais, on pourrait lui mettre des dégâts en plus, mais ça va comme ça. Voilà, on a le stun. Ouais, on est nickel, on a une bonne équipe, ça devrait aller. Juste. Juste un petit run. Pas trop compliqué. Ça, un stack plein. Non, hop. Non. Là, je clique à côté, quoi. Bon, bah, c'est bon, là, comme ça. on va pas prendre de sang parce qu'on va devoir on va en récupérer de toute façon. Donc, pas besoin d'en prendre en plus. Let's go. Donc, ouais, je suis un peu. Je sais pas. J'arrive pas vraiment à bien me faire une équipe. En fait, quand je fais une équipe qui est censée être vachement bien. Pour la ferme, pour la farm infinie. Ça passe pas. Et quand je fais une équipe qui est un peu genre fait à la va-vite avec des bandits et tout ça, ça marche super bien en fait. Après, j'ai remarqué aussi que le deuxième boss, là, l'œil, il fait exactement tout le temps les mêmes attaques. Donc il suffit tout simplement de rester en vie et de taper quoi. Et de faire du dégât. Il n'y a pas autre chose à faire en fait. Donc ça aussi, ça a rendu le truc facile, parce que c'était la deuxième fois du coup que je le combattais. Mais voilà, du coup c'est simple. Ça c'est bien. Pam, palam, palam, pam, pam, pam. Alors, stun. Faut qu'on tue le moustique et faut qu'on stun la femme. Pas toi, il va taper, mais bon, on peut plus le stunner de toute façon. Bien. Nickel. Ah, évidemment, tu touches quoi. Bien. Bien, Spartan, bien. C'est quoi? Comment ils font les Spartans là? Quand ils gueulent? Je sais plus ce qu'ils gueulent. Voir un peu les stats. 95% de toucher. On n'a pas mis de précision. Si, on a mis de la précision. À la limite, l'anneau de concentration sert pas à grand chose. Enfin, c'est critique 5% en général, c'est bien, mais il faudrait peut-être mettre autre chose, parce que la précision elle est bonne. 9 à 18, c'est pas beaucoup encore. Pas beaucoup de dégâts. Enfin, quoi que tu fasses, c'est que du vétéran, à la limite. Évidemment. Bien joué, Spartan. Ça c'est bien. Et j'ai vu aussi, je sais pas si j'en avais parlé, j'ai oublié, je crois qu'on me l'a déjà dit et tout ça, mais je sais plus si j'en ai parlé. Darkest Dungeon 2, il est en alpha en fait. Enfin non, il est en early access, il est en accès anticipé. Moi, je pensais qu'il était vraiment sorti. Quand il était sur Epic. Donc du coup, tant mieux.
Parce que là, quand il va sortir sur Steam, du coup, bah, il va sortir pour de vrai, je pense. Je crois que c'est full release. Donc du coup, du coup, c'est cool. Du coup, c'est super cool. Donc nous, on aura la version... Enfin, quand j'y jouerai, moi, j'aurai le jeu entier, quoi, ça va. Comme ça, parce qu'il y a, il y a eu quand même beaucoup de changements hein, dans Darkest Dungeon 1, quand on regarde. Parce que moi, c'est vrai que j'ai pas vraiment suivi, en fait, du coup, les changements. Mais avec les DLC et tout ça, il y a eu des changements. Après, c'est possible qu'ils refassent encore du changement, hein, dans le 2, hein, avec le temps. Mais voilà, c'est bien parce que voilà, j'aurais pas vraiment besoin de me faire chier. Toi. Decimated. Je suis assez content pour ça. Du coup, on aura le jeu bien sorti. On va te stun toi, parce que toi tu vas foutre la merde. Après j'ai regardé vite fait, j'ai pas voulu trop me spoiler, mais j'ai vu des combats et tout ça. Et il y a des gens qui parlent de roguelike en fait. Que c'est, oh mon dieu, que c'est devenu un roguelike hein, où on recommence et tout ça. Mais après j'ai vu des gens en disant que Darkest Dungeon, le 1, celui à qu'on joue, c'est un roguelike aussi. C'est pas du tout un roguelike. Les gens utilisent des mots, des fois, je me demande s'ils savent vraiment de quoi ils parlent. Parce que les roguelikes... Ah, attendez, on va stunner qui? On va stunner toi, parce que toi, tu fais chier. Les roguelikes, on est d'accord que c'est... Genre, on a un personnage, on avance, tout ça, on meurt et on recommence. Là, c'est pas du tout ça. Alors, à moins qu'ils veulent dire, ouais, on recommence des runs et tout. Non, mais non, enfin, on perd... Les personnages, quand on les perd, ben on les perd, quoi. C'est pas... on devient pas puissant, plus puissant, en fait, en mourant dans Darkest Dungeon. Parce que le roguelike, c'est ça, en fait, le truc du roguelike. Qu'est-ce qu'on va faire? Attends, toi, on va t'enlever ça. Parce que la chose du roguelike, c'est de, voilà, c'est de mourir et de devenir de plus en plus puissant, en fait. On recommence sans cesse le même run avec des boss et tout ça. Bah, des fois c'est un peu différent et tout, mais voilà, c'est recommencer le même. Mais là c'est pas du tout pareil. Je comprends pas pourquoi les gens l'ont appelé roguelike. Darkest Dungeon, genre le 1. Après le 2, j'ai pas trop compris la mécanique. J'essaye de pas trop me spoiler. Donc je suis pas sûr de comment ça fonctionne. Je sais qu'on a une caravane et on avance, là j'ai pas trop compris comment ça fonctionnait. Donc s'il faut, oui, on recommence et tout ça, et peut-être que c'est du roguelike maintenant. Mais le 1, j'ai vu des gens en disant que c'était du roguelike. Non, c'est pas du tout ça. Non. Ça a aucun sens de dire que c'est du roguelike en fait. J'aurais dû soigner plutôt. Corbett, il va falloir que tu soignes un peu. Donc j'ai trouvé ça un peu étrange, la façon dont les gens expliquaient Darkest Dungeon. C'est pas du tout du roguelike. Objectif de quête, donc on peut faire ligne droite comme ça. En plus les roguelikes, c'est vraiment un style que j'aime pas du tout. C'est que du verre là par contre. Non, il y a deux verres. Médecin de peste, infection. Je sais pas si on l'a, c'est là. Je me rappelle plus. Celui-là. Ouais, je veux bien les prendre, les Twinkettes. Ouais, je veux bien les prendre. Ouais.
Donc ouais, je sais pas, je comprends pas vraiment les gens des fois, comment ils expliquent les choses. Alors je sais que des fois j'ai un peu des façons bizarres de comparer les jeux, mais je compare des mécaniques et tout ça et j'explique bien, mais là y a rien à dire, c'est pas du roguelike du tout. Dans Darkest Dungeon, t'as pas envie de mourir, hein, crois-moi. Hein. T'as vraiment pas envie de mourir hein, dans Darkest Dungeon. Tu deviens pas puissant en mourant. Hein. La mort dans Darkest Dungeon, c'est des tonnes d'argent, de pièces d'or là, perdues sur le personnage. Alors si c'est un niveau 6 par exemple, c'est au moins. Ça dépend combien d'habilités on a augmenté. Mais si on a augmenté l'équipement et certaines habilités, c'est un bon quoi, 30K qu'on perd. Ouais, un bon 30K. Toi, tu vas mourir. Un bon 30K d'argent, ce qui est énorme. Ce qui est énormissime, en fait. Ça fait plusieurs semaines. Ça fait au moins 2 semaines. À la limite, ça dépend, en fait. Ça peut des fois être 3. Sauf si on a une antiquaire. Des fois, on peut régler ça avec 1 semaine. Mais c'est beaucoup d'argent. Et puis après, ça peut même s'amplifier avec les attributs qu'on a lock et tout ça, hein, qu'on a enlevé et tout. C'est énormément d'argent perdu hein, si on perd un personnage. Hein. Donc c'est pas vraiment le truc que tu veux voir. Mais bon, c'est un peu étrange des fois. Là. Le voir comme ça me fait plus penser à un tank du coup. Pauvre. Donc j'aime bien en fait. Mais il faut pas que je perde à l'esprit que c'est un brise-bouclier. C'est pas genre un croisé par exemple. Après ils sont résistants quand même. Ils sont vraiment résistants. Surtout moi ce que j'aime bien c'est la protection en plus là quand ils font des crits. Ça c'est vraiment intéressant. The bigger the beast, the greater the glory. Yes, let's go. Ah putain, j'ai envie de virer les trucs du coup. Ah, ça c'est quoi? C'est du 750. Les torches, à la limite, on n'a pas vraiment besoin. Les torches, c'est pourquoi brûler les trucs pour faire du stress et ou alors brûler les brumes. Parce que je veux bien garder les trucs quand même. On fait comme ça. On fait full argent. Argent, argent, c'est bon, c'est bien l'argent. Le stress, on n'a pas vraiment besoin et il n'y a pas d'obstacle. Donc ça va. Ah bah tiens. Quand on parle des. Ah attendez, non, les torches de stress, c'est. Je crois que c'est de l'argent ici. Je me rappelle plus. Il y en a, c'est. C'est pour faire apparaître des. Oh là là, c'est le bordel. Bref, ça c'est le stress. Non, c'était peut-être de l'argent en fait ici. Genre les cocons, vous savez, les cocons sont différents en fait. Quand c'est dans la cour, les cocons, je crois qu'ils donnent de l'argent. Et quand c'est à l'extérieur, je crois que c'est du stress. Un truc comme ça, non? Bon bah voilà. On va faire un autre truc vite fait. Ouais mais bon, c'est un risque. Putain ouais mais en fait, non, c'était de l'argent en fait tout ça, je crois. Ouais, c'est pas grave, on sort. Pam 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 pam. Ça en fait de l'argent, ça va. Pour un petit run comme ça, très bien. Petit 13K là. Nickel. Un 14K. Niveau 5, Leonidas, on va pouvoir le monter à 6 et l'utiliser. Can you feel it? Oula.
The walls between the sane world and that unplumbed dimension of delirium are tenuously thin here. Alors, l'hérésie dans le sang. Un aliéné excommunié se retourne contre l'infestation croissante. Stimulé par la conviction, il est sans pitié, exécute son travail en causant d'extrêmes préjudices. Panic traquera les groupes contenant des héros infectés. Il est de retour le mec. Complètement ivre, a disparu depuis la veille. Ça marche. Toi aussi. Les deux sont allés se bourrer la gueule de ouf, quoi. Ah, il est là, le connard. In time, you will know the tragic extent of my failings. Il est là. Alors, on avait dit que on voulait verrouiller des choses, je crois. Il y avait les gens qu'on vient de prendre, je crois, non? Attendez. Non, c'est Corbett, je crois. Non. Leonidas. Non. C'est Loge, elle a effacement. On lui a bloqué précision, je sais pas pourquoi on lui a bloqué précision. Ah, c'est toujours bien. Mais... J'avoue que c'est pas... Vitesse et esquive. Effacement. Après, toi, t'as eu PV max moins 20%, c'est énormissime quand même. On va attendre ça. Après, je crois qu'on est bon. Que Ponte qu'il faudrait virer ça là, pression moins 20 si le stress est haut. Bon, c'est pas le truc qu'elle va avoir tout le temps, mais... Il y a le chien qu'il faut utiliser, qu'on le monte. Okay, très bien. Donc la créature est là. Marée douce. Ah tiens, on pourrait faire de la marée douce. Maredou, je crois que c'est la crique, là, on va avoir des dégâts en plus. Comme ça, on fait le boss juste après. Ouais, on peut faire ça. On peut faire ça. On m'a dit aussi d'essayer de trouver le machin dans la nuit, là. Le chambleur, ou quoi. Ça aussi, est-ce qu'il y aurait des objets spéciaux dessus à récupérer qui sont vachement bien, apparemment. Ouais, ouais, mais bon, on verra ça un peu plus tard, quoi. Alors, Corbett, tu peux revenir. Qu'est-ce qu'on a? On a toi. Ah, les furies, j'aime pas. L'épreuve, on a que Jayandad pour le moment encore. Donc, on peut peut-être prendre un nouveau. Enthousiaste extrême. C'est vrai qu'elle, elle pourrait être intéressante. On fait une équipe comme ça. Il n'y a pas vraiment de marquage. Mais... Quoique, oui et non, en fait. C'est pas vraiment le meilleur. Ah oui, mais j'avais dit que je voudrais bien augmenter le chien, moi. Les chiens. Pourquoi tu veux pas? Ah mais merde, t'es 5, pardon. Pardon. J'ai rien dit. Plam. Donc, arbalétrière.
Froissart, donc un nouveau Jester. Il y a Corbett. Je vais peut-être remettre leur skin de base parce que là, c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup de différence en fait. Tous. C'est con que ça écrase les skins de base en fait. Ouais, je vais peut-être l'enlever ce mode. Alors, Corbett. Toi, tu aurais donc les dégâts comme ça. Après, on a les debuffs. Après, on a le devant. Après, tu as le soin. Aïe aïe aïe. Ça me paraît ok. Ah, t'as vraiment de la merde toi. Mais ça me paraît ok pour un petit run. Va falloir qu'on augmente leurs habilités. Enfin leurs équipements et tout ça. Surtout l'arbalétrière. Mais l'arbalétrière, elle est un peu spéciale, elle, parce que oui, elle a ça, enthousiasme extrême. Je vais voir si on peut pas créer un truc avec l'enthousiasme extrême. Ça. Le soin, la poussée. Un peu d'argent, mais... on va dire que ça fait un petit moment qu'on n'a pas monté comme ça quelqu'un en fait. Ça fait quoi tir d'aveuglement? Ah, tir à l'aveugle, par oui, distance, oui, c'est le tir aléatoire. Ça marche. Ok. Ah oui, survie. Survie, c'est pas là. Oh, je suis débile ou quoi? Survie. À la limite, comme la plupart du temps, je prends toujours les derniers habilités. Mais c'est vrai que c'est pas bien de faire ça, parce que des fois, il nous reste genre 2 points. Et bon, on peut faire autre chose de plus intéressant. Alors, Corbett, toi par contre, tu as donc la marque, le stun, la trappe. On n'a pas vraiment besoin de ça. Tu peux prendre le coup de poignard à la place. Nickel, let's go. Let's go. Faudrait augmenter la vitesse. T'as combien de vitesse toi? 4. Neuf. Toi. L'anneau magique, déjà, ça c'est sûr et certain. PV ma vitesse esquive. 35% de stress, c'est chaud quand même. Ça devrait passer. Oui, on a un jester de toute façon, ça va. On a un Jester. Hop. Et toi maintenant, comment on t'équipe? Donc, on a dégâts écrites. Et après, on a l'autre. Non, précision. On a un autre truc qui fait dégâts écrites. C'est la balle. Critique et dégâts. Est-ce que c'est bien comme ça? Est-ce que c'est pété ou pas? Je vois pas vraiment quoi mettre de plus. On va dire que ça a beaucoup de critiques en plus du coup. Un peu de vitesse. Après, il y a un truc que je voudrais bien tester, c'est
le truc au premier tour là. Je sais plus ce qui donne ça. Ça. Critique 12%. Enfin, quoique honnêtement, 12 à la place de 8, non. À la place de 6, bon, on en perd 6%. Mais là, c'est vraiment le premier. C'est que le premier tour en fait. Donc, c'est pas terrible. Okay, on a 6. Là, on a 9. Donc, en théorie, mon jeu, ça va être de marquer. Puis elle va faire ça. Et elle aura ça en plus. Donc, en théorie, elle va casser des fesses. Je crois qu'on va... En théorie, elle va casser des fesses. Je suis pas sûr. Donnez-moi une petite seconde. Okay, bon. On va faire un run, deux runs. Ouais, deux runs. Enfin, on va faire le boss. Ah, attendez, pardon. Est-ce qu'on n'a pas des gens à déstresser ou à... Parce qu'on va devoir faire un boss après. Puis il me faut des gens prêts du coup. Non, ça va, Giant Dot, ça. Alors... ça suffit, je pense. Ouais. On peut dormir avec eux? Oui, oui, oui. Oui, ça va. Parti. On va pas faire beaucoup d'argent, mais bon. Oups, pardon. The flopping fish-like things abhor the warding sigils. Let us claim this place anew. Alors. Objectif de quête. Là, on n'a pas d'objectif de quête, on peut y aller. On n'a pas de combat aussi. Alors. 55, 60. Ah, je crois que c'est bien ça. Ah non, mais ça c'est juste le casser avec une pelle, je crois. Alors, fais voir si on va tester sur un monstre normal. Très bien, c'est celui-là qui va se prendre une belle baffe. Voilà, putain. Alors. On est à 53% de critique, 15 à 32 de dégâts de base. C'est pas mal en stats. Maladie plus 15, compétence 25, attributs 20% de breloque. Critique, on a la compétence, autre compétence, attribut et breloque. 128 de précision à la moins 10 pourtant. Ah non, c'est pas mal. Hein. Destroyed. Pas mal. Là, voilà, maintenant elle augmente encore plus les dégâts contre les marques. Donc, en théorie, si je spam les marques comme ça, ça peut. Elle devrait one-shot tout le monde. A brilliant confluence of skill and purpose. Après, encore une fois, le chien reste la meilleure marque.
Parce qu'il réduit la protection. Je crois qu'il fait 100% protection, lui. Lui, il fait esquive. Elle fait aussi esquive de mémoire. Et le chien fait protection esquive, peut-être? Ou alors que esquive? Je sais plus. On va faire ça, on va stun. Ah, 9 à 10. Ah ouais, non, mais quand il n'y a pas la marque, putain, c'est inutile, quoi. C'est ouf. Hein. Ah ouais, non, c'est chaud. Attends. Ah merde, je peux plus te couper. Fais chier. Ah non, si, attends, je peux te couper comme ça, ça marche? Non, ça va le protéger. Non, non, non. On stun lui, en fait. Ah putain. Pourquoi j'ai tiré sur ça? Ah bah ça va. Their formation is broken. Maintain the offensive. Ça ne sert pas à grand chose de faire ça. Évidemment. Ouais, ça reste encore très 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 limité, hein. Pas sur le lépreux, quoi, hein. C'est ouf. Ah. Eh, bien joué. Confidence surges as the enemy crumbles. Eh ben, on a du bordel. On a du bordel. Ouais, à chaque fois, parce que là, quand même, on a un des meilleurs attributs qu'on peut imaginer sur un personnage qui en tire 100% des bénéfices, honnêtement. Genre l'enthousiasme extrême, là. Dégâts et critiques. Dégâts 25%, c'est énorme. Après, est-ce que, vu que notre critique est assez élevée, est-ce que c'est... Mais merde. Est-ce que c'est pas mieux de mettre que du dégât, genre 20 x 2 par exemple, au lieu d'avoir dégâts et critiques, peut-être? Eh ben, on a tout. Ça va, tranquille. Mais encore une fois, pour moi, je trouve que c'est très médiocre. Ça. Wealth beyond measure, awarded to the brave and the foolhardy alike. On a... Non, j'ai pas mis de truc au-dessus de 75%, ça va.
Enfin, 75 de la... de la machin, de la torche. Voilà. J'ai pas mis la tunique verte, là. Death waits for the slightest lapse in concentration. Ouais, je dirais qu'elle peut bénéficier un peu plus de dégâts et moins de crit à la limite, j'en sais rien. Là on est à quoi, 53 de crit pour le premier tour. Genre on lui enlève ça, elle perd 6 de crit, donc elle est quoi, 47. Ouais. 47, on peut lui mettre un truc qui fait dégâts 20%, elle gagne 10% de dégâts ou 20, peut-être 25% si on peut, je sais plus s'il y a 25. Parce que les critiques, ils sortent pas énormément souvent quand même. Pour un taux aussi élevé. Enfin, moi ce que je trouve, j'en reparle encore, hein, ce que je trouve c'est pas qu'ils sortent pas souvent. C'est que quand ils sortent, c'est pas spectaculaire. Alors que tu prends le lépreux il a un putain de dégâts de base qui est complètement abusé, je trouve. Genre déjà, quand il n'y a plus la marque, elle, c'est fini, quoi. Genre 9 à 18, c'est nul. C'est nul, elle fait un crit à 26. Lui, il peut faire un crit à 40, 50. Voilà, 35. Voilà. Crit à 35 alors qu'il a... il a rien en dégâts, quoi. On lui a augmenté les dégâts. Non, on lui a pas demandé. Non, il a rien. Il a fait 35 en crit. Ah non, c'est 9-18. Les dégâts, ils sont vachement bas. Lui, c'est 12-23. Elle est 9-18 et en plus, elle a plus 15% de maladie. Hein. Je veux pas dire. Mais... donc voilà, quand lui, il crit. Ah, tu le sens passer, le machin. T'as le monstre, il fait plus la joie. Hein. Il pleure. Hein. Alors que l'autre, bof. Ça reste mon plus gros problème avec cette classe. Spirits are lifted and purpose is made clear. The match is struck. A blazing star is born. Quête. Quelle, là on a 2, 3. C'est quoi ça déjà? Je crois qu'il faut juste le toucher, c'est ça? Étude des tanières. Ah, on va moins rire là. Enfin, après, on a des bandages, on a 5, ça va. Ah putain, pourquoi il est passé en premier? Precision and power. Après, il y a le... comment ça s'appelle? L'homme de chasse, là? Chasseur d'hommes? Pas quoi? Chasseur de primes? Un truc comme ça? Le mec avec la hache, là. Après, je crois que lui, il peut faire très mal contre les marqués, si je me rappelle plus ou moins. Je crois que ça allait bien, lui. Quand il faisait des critiques, bah, tu les sentais passer, quoi. Je pense que pour améliorer la classe, il faudrait que de base elle ait un critique encore plus élevé. Ça. Genre on arrive à 60% de critique en fait, facilement. Genre avec l'équipement qu'on a, on arrive à 60%. Un truc comme ça. À la limite là, ouais. Comme ça, elle critique plus souvent quoi.
Parce que dès qu'elle critique pas, c'est de la merde, les dégâts. Même quand elle critique 26 de dégâts, c'est nul. C'est nul, hein, 26. C'est de la merde. L'autre, il fait 35, il a pas de dégâts en plus, quoi. S'il te plaît. À moins qu'il ait des attributs, que j'ai pas fait attention. Contre les impies, et c'est tout. Voilà, elle va faire 0 dégâts parce qu'il a de la protection. Voilà, bien. Oh, le chien il est cool, le chien. The bigger the beast, the greater the glory. On dort ici ou pas? Oh, on va peut-être camper ici en fait. A moment of respite, a chance to steel oneself against the coming horrors. Avec le coffre en arrière-plan, c'est classe. Alors, embuscade. Non, précision écrite. Retendre l'arbalète. Plus que 3. Je dirais pas non pour le lui faire ça là. Précision écrite en plus encore. Bah tiens, on va lui faire full dégâts. Voilà, comme ça il a précision 20. Critique, c'est surtout le critique hein, que je veux. En théorie, il va spammer le critique. Enfin, en théorie. In Radiance, may we find victory. Boing. Ça, je vais prendre ça un peu. Quoi ça? Ah oui, la vitesse 2, on va l'enlever. Glittering gold, trinkets and baubles, paid for in blood. Beau. Ça, c'est un peu composition de merde où on peut pas vraiment s'en débarrasser vite. Ah non, la stun pas. Ah, ça va. D'abord, on va faire toi. 61 de crit. Là, 61 parce qu'on a la compétence de campement. Là, ça devient potentiellement intéressant. Et elle ne critique pas. On s'amuse comme un fou. Magnifique, ces jeux. Voilà. Donc, si jamais vous êtes encore une personne à me dire oh, « c'est très bien les dégâts, les purs dégâts comme ça. C'est très bien. Je risque de vous étrangler. » Voilà. Je risque de vous étrangler à un moment. Aïe, 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 aïe. Ouais, il faut tuer ça, putain. Ah, regarde-moi ça, 15 de critique, c'est magnifique. 15 de critique, alors que lui, quand il tape, il fait 10 déjà. Magnifique. Allez, Ténia, c'est quoi ça, Ténia? Je me rappelle pas. Nourriture consommée. Ouais, on va jouer comme ça, c'est pas grave, on est mal mis, mais c'est pas grave. Voilà, crit 9 sur un truc qui a 75% de protection, honnêtement, c'est pas mal.
Attention, 8 à 17. Wow. De ça, je dis pas non. Objectif de quête. Ça. Non, on a un obstacle. Qu'est-ce qu'on fait? On sort direct quand on a fini la quête. On va faire ça. Oh, ça fait deux combats à faire en plus. Honnêtement, je suis pas très fan. Il est où l'obstacle? Il est là. On va faire ça et on se casse. Très bien, on va juste faire les curios vite fait. Ah putain, pardon. Appuyez trop vite. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Ouais, c'est bon, on se casse. Tan 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 tan. Voilà, bien. Wow. Wow. The frothing waters subside. The advantage is ours. Les marées douces des marins superstitieux se sont réjouis plus tôt aujourd'hui en apprenant qu'un mal surnaturel indicible ne menace plus leur cargaison. Très bien. Alors, nickel, 100, 100, 100, 10, 70. Ok, humeur malsaine, parfait. Supprimer effacement, nickel. Nickel. Et l'autre fou, il est parti aussi. Allez, 7. Oh non! Oh l'arnaque! L'arnaque, on n'est pas arrivé à 7. Ah, oh là là, l'arnaque. Ah. Arnaque Land. J'ai bien envie de faire un truc court. 100% des pièces de combat. Je suis pas fan encore de ça, mais... Il y a Marcy qui est toujours partie. On sait pas ce qu'elle fout là, Marcy. Alors, Giant Dad... Oh, attendez. Si on a des maladies à virer, on n'a pas d'argent. Là, ça y est, ça recommence. Quoi. Très bien. Anxiété. Nickel. Nickel, nickel. Est-ce qu'on a le temps de faire encore un petit run? Et du coup, ça sera notre dernier. Et la prochaine fois, on fait le boss. Ouais, 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 on va pouvoir faire ça. Ouais, ouais, ça marche. Allez, c'est parti. C'est parti. On va faire celui-là, le court, comme ça c'est tranquille. Je vais prendre des... Ah oui, non mais attendez, il y a la chose quand même qui rôde. Donc on va y aller quand même avec des gens. Alors je veux bien prendre le chien, parce que le chien il est utile. Il va pouvoir nous faire du saignement là sur la bestiole. Pêche à Yandad, je veux bien le garder. C'est quoi déjà la crique, la combat? C'est les pirates je crois. Yandad pour les pirates, ça peut être pas mal.
Je crois que c'est les pirates qui nous... Ah bah attendez, on peut toujours vérifier, je suis con. Non, là. In time, you will know the tragic extent. Ouais, c'est pirate. Donc pirate, il faut surtout du DPS. Il faut surtout du DPS, donc on peut utiliser Vanguard, là. Vanguard va pas être trop être utile. À moins pour buffer. Jayandad, on le laisse de côté. Là, il va être pété, Jayandad. C'est énorme. Oh mon dieu, il va tellement faire mal. Il va tellement faire mal. C'est ouf. Enfin bref. Le chien. Vanguard. Ah, du coup, il nous faut un soin. Est-ce qu'on a un soin genre 5? Ah, j'ai pas vraiment envie de prendre Vanguard, on peut prendre ça. Ah ouais, on a aussi ça au niveau 5. Mais bon, ça fait un peu chaud quand même. Et pour le soin... Alors le soin, on a le choix, je crois. Émerald érable. Hérald, pardon. Emerald Herald, elle a de la merde elle sur elle, c'est ouf quoi. Viens-moi des trucs genre de précision. Honnêtement, faudra t'enlever ça aussi, le crit, parce que le crit c'est bien pour tout le monde. Tout le monde peut faire des dégâts crit et ça fait baisser le stress. Ouais, je vais pas prendre trop de gens niveau 5 parce que il y a quand même la chose qui rôde. Quand même la chose qui rôde. T'as réflexe vif, c'est pas vraiment le plus utile. Le chien il est bien. Ok. Vas-y go, on va aller. Oh putain, on est que 19 000 mais. Ah, ça va faire cher. Mais dis-moi. C'est que on n'a plus d'argent. C'est quand même vachement important. Et après, il manque les habilités encore. Il n'y a pas. Complètement équipé. Oui, pardon. Ça va être chaud. Alors, ouais, on avait dit toi. Est-ce que le chien il peut monter des. Oui, non, lui, le chien il peut attaquer n'importe où. Hein. D'accord. Tu peux te mettre en premier. Ouais, la marque par contre, est-ce que c'est utile? La marque, pas vraiment. Ça, oui, si, c'est utile quand même. Non, si, on va te jouer comme ça. Donc du coup, on va pouvoir utiliser l'attaque de la lance. Donc l'infection, ça fonctionne. On va te mettre l'anneau protection. Ah, quoique, honnêtement, est-ce qu'on lui met l'anneau protection? Ah là, j'en sais rien à chaque fois. C'est... Vitesse esquive, soin esquive. On peut te mettre le stress, là, le manteau de stress à la place parce que le stun c'est un peu relou.
Toi, tu fais quoi? Tu fais que de la distance? Tu fais du mêlée? Non, c'est que de la distance. Il n'y a que le mêlée, c'est que le bonk. Donc ça. Après, ça, c'est quoi? Repérage. C'est pas mal, ça. Repérage. Prix. C'est intéressant, ça. Dégâts et saignements. Distance, on peut lui mettre ça. On est d'accord qu'on peut lui mettre ça là. Critique et dégâts. Distance, distance. Ouais, on peut lui mettre ça. C'est un peu étrange, mais. Ah, on donne une balle à un chien, quoi. Un peu étrange quand même. Et toi, pour te faire un peu plus durer, on va te mettre ça. Ouais, c'est bon, on a notre équipe. On a notre équipe. Elle est pas parfaite, mais. Il faut de l'argent, putain. Chier, quoi. Ok, très bien. Bon, on est bingo. Oh, pardon. These salt-soaked caverns are teeming with pelagic nightmares. They must be flushed out. Bam! Si on tombe sur la créature, on devrait pas trop avoir de problème. A brilliant confluence of skill and Yong. Ah tiens, avec la marque du chien, on aurait pu mettre l'outil spécial là. Sunset Stone, ouais. Qui fait 35% de dégâts en plus sur les marqués. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Mais du coup, il faut vraiment marquer à 100%. Sinon, il a moins 10% de dégâts ou moins 20, je crois. Surges as the enemy crumbles. Très bien. Ok, donc apparemment on n'aime pas le Spartan. Hein. On n'aime pas du tout le Spartan apparemment. Great is the weapon that cuts on its own. Oh. Ouais, c'est con parce qu'on n'a pas le full les habilités au max et tout ça, j'avoue. Mais bon, on a augmenté les armes et l'équipement d'abord. C'est bien. Ah, mais non. Ça va. Ça sert à rien de marquer, on est d'accord.
Waouh! Tous esquivés, quoi. Oh, la vache. Oh, non, 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 non. Oh, mon Dieu. Non. Oh, là, non. Oh, c'est mauvais signe, ça. Oh, que c'est mauvais signe. Attends, on peut peut-être jouer un truc, là. Non, c'est mort. Ok. Oh là là, oh là là, vous le sentez le venir, le tout le monde va être dans la merde. Aïe aïe aïe. La vengeance. C'est bon. Bien joué Spartan. Spartiate, peu importe. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un lancer ou pas? Non, on va d'abord faire ça. Au moins ça tue. Comme ça on n'en parle plus. J'ai rien dit, ça tue pas. Oh, lui il me fait chier par contre. Ben tous ils commencent à me faire chier. Ah, vache. Bam! Putain, t'as encore 20 points de vie? Oh la vache. Oh la putain. T'es une horreur, toi. Mais. Sans déconner! On est en train de stresser pour rien du tout, quoi. Mais... Mmh. Ah, putain, comment on s'amuse. Ah, le RNG, c'est magnifique. Il a été saigné alors que c'est un squelette. Enfin, c'est un fantôme, c'est pas exactement un squelette. Oh, j'aurais dû l'attaquer avec le chien directement. Their formation is broken. Maintain the offensive. Oh là là. Ah, le combat de merde. Tain, si on tombe sur la créature. Ah, on va passer un mauvais quart d'heure là. Parce que notre stress est grave trop élevé. Ouais, on va en chier. Honnêtement, j'espère qu'on va pas tomber dessus. Wealth beyond measure. Awarded to the brave and the foolhardy alike. J'ai bien envie de faire ça. Plus rare ça.
Vas-y, tu vas voir. What? Cruel machinations spring to life. Depuis quand il y avait un piège là, c'était pas dans le couloir, on est d'accord. Par contre, ça met trop de temps là, dix tours. Alors ça. Vas-y, Leonidas. Je redoute un peu le moment où on va tomber sur la créature. J'espère que les j'espère que c'est la dernière salle en fait. Stun un peu, s'il te plaît. Merci. On va faire du sang sur tout le monde. Voilà. Crit. Seize this momentum. Push on to the task's end. Tous ces bijoux. Oh mon Dieu. Oh là là, là on a vraiment un... une équipe. The blood quickens. Une équipe cancer en fait, on va appeler ça comme ça, hein. On va le dire. Ah, bien sûr, il touche pas quoi. Faut d'abord qu'on se fasse les deux là, 1 et 4. Bon bah ça sera 1. Honnêtement, après ce combat là, j'ai envie de partir. Et j'ai vraiment pas envie de tomber sur la créature. On va d'abord tuer parce que. Continue the onslaught. Destroy them all. Oh, je peux rien faire quoi. Enfin, je peux pas stun. Ouais, non, honnêtement, j'ai envie de partir quoi. Parce que elle va stresser. Déjà, si elle stresse pas ce combat là, ce serait étonnant. Et après, en fait. Tout le monde va stresser extrêmement vite et la créature, la chose, elle va stresser tout le monde extrêmement vite aussi. Putain, il va soigner. Ouais, non, honnêtement, si c'est pas fini, je me casse. C'est pas grave, ça sera un truc échoué, mais c'est pas grave. Honnêtement, non, je veux pas le faire.
J'ai pas vraiment envie de risquer. Après, on peut toujours partir. Je crois on peut toujours fuir le combat de la chose. On va voir. On va pas le tuer quoi. Ah bah enfin. Évidemment. Qu'est-ce qu'il a le chien à esquiver comme ça? Enfin, à louper sa proie là tout le temps. Faut que je regarde sa précision là, elle est débile. Ça fait plusieurs fois hein, qu'il loupe en fait. Genre le chien il a besoin de précision maintenant? Lui il est à 94% tout le temps. Après on lui a pas... Non si, non c'est du critique et du dégât, non on lui a pas mis de précision en plus. Alors que Léonida je crois qu'il en a. ATA 61. Si t'es à 71 sur le mage, honnêtement tu devais être plus sur le tank hein. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Ouais on lui a mis ça, il y a de la précision. Qu'est-ce que tu fais? Ah vas-y, merci. Dis-moi qu'il y a... Ah putain, il y a un coup. Ah ha ha. Aïe aïe aïe. Ah bah super quoi. Ancient traps lie in wait. Ah je peux pas l'enlever. Thirsting for blood. C'est bon, on se casse. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Ça. Ça, c'est la créature. Ça, c'est la chose. 100%. Ça, c'est la chose 100%. Et après, il y a encore un combat après. On a déjà une personne qui est en violence. Elle va le rejoindre. Et les deux, ils sont déjà à plus de 50. Ouais. Non, c'est bon. You cannot learn a thing you think you know. Ouais, non, je... Non, je tente pas. Ce serait débile, en fait, de risquer. Ce serait juste con. Windows and doors will be bolted. Tonight, something haunts the dark. Malheureuse obscurité, comme l'a dit quelqu'un, il y a un truc pas net avec ces ombres-là qui font rien qu'à bouger et qu'à se tordre comme ça. On recommande aux habitants de ne pas sortir de chez eux avant le lever du soleil. Les activités de réduction de stress sont moins efficaces. Marcy n'est plus ivre. Okay. N'est plus ivre. Ouais, non, je vais pas. C'est pas grave, on a perdu. On a perdu. Non, on a pas perdu le. Non, de toute façon. Ah, ça. Alors, dégâts 25% en position 4. Et plus de chance d'infliger un malus. Ouais. Donc ça serait... je suis même que l'arbalétrière, elle a exactement la même chose.
Donc 25% de dégâts en plus. Honnêtement, si c'était 30, ça serait bien, mais 25, ça me paraît léger. Encore une fois, c'est parce que la... Ah, mais c'est un long en plus. Oh là là. Encore une fois, c'est parce que la classe n'est pas très bien. Je trouve... avec l'expérience que j'ai eue, non, pas bien. Les dégâts de base sont trop bas. Alors, Léonidas, tu peux aller boire. Le chien, tu peux aller... Non, pas où je veux. Tu peux aller méditer. Toi aussi, mais va méditer. Et toi... Bon, va nous falloir de l'argent. Là, on a tout gaspillé, on a tout balancé. C'est un peu chiant, quoi. Il nous reste quoi, augmenter ? Bon, ça, c'est fait, ça, c'est fait. Alors, on a ça. L'abbaye. Ben, en fait, il reste plus que l'abbaye et la taverne, en fait. Ça marche. Après, en bâtiment, on a quoi ? Alors ça serait vraiment bien si je fais peut-être la prochaine fois, je vais peut-être, enfin entre cet épisode et le prochain, on va peut-être faire le moulin, enfin le moulin, non, je vais peut-être essayer de récupérer plus de machins là, sur 10, on en a que 2. Après, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Études géologiques, piller les gemmes dans l'inventaire augmente de 1, pile de gemmes pardon, pas piller. Non, ça c'est pas, c'est très rare en fait qu'on ait un stack de gemmes entier, c'est super rare. Puis corrompu, Obénite améliore les bonus et l'Odanum, bonus résistance au stress. Ça c'est intéressant parce que les Obénites, c'est vrai qu'on les utilise souvent, genre avant les boss et tout ça. Et les Lodanum, on les utilise pas, on n'en prend pas, ça c'est vrai. Mais si ça donne un bonus de résistance au stress, ça peut être intéressant. Herbe médicinale donne un bonus de résistance aux maladies. Bof. Un bonus de résistance à l'infection pour les antidotes. Ça, oui, ça c'est intéressant. Ça. Après, c'est quoi? 750, 50, 300, 60, 200, 80, 100, 200, 300. C'est énorme ici. Il y a ça, donc le bouffon, stress moins 10%, vitesse plus 2 et final dégâts 20. C'est pas vraiment utile non plus. Ouais, il y a celui-là, là, le producteur de sang, comme j'avais dit. Faudrait peut-être en faire, le faire. Non, pour l'instant, il n'y a vraiment rien d'intéressant. Il n'y a que le moulin, en fait, qui m'aiderait pas mal. Il n'y a que le moulin. Mais bon, le moulin, il faut faire le boss, quoi. Plusieurs fois. Après, est-ce qu'on a des trucs intéressants à acheter? Donc, change de vertu. Non, ça c'est... Oui, ignore la furtivité et des critiques en plus. Non, c'est chiant. Là, l'occultiste, ça a l'air intéressant sur papier, mais honnêtement, en pratique, je pense pas que ce soit très intéressant. Abomination et de la précision en plus, et de l'étourdissement, bof. Donc l'antiquaire, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Le flagellant. Je trouve qu'il y a trop de malus, en fait. Alors, dégâts 30%, bon, les dégâts de base sur un flagellant, c'est pas énorme parce qu'il fait pas très mal. Après, bon, il fait des crits. On va dire que c'est passable. Bon, moins 25% de PV, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Genre d'infliger du saignement, 30% sur les coquilles. J'avoue que c'est pas négligeable, mais on a déjà des choses qui font plus 20%. Donc, bon, est-ce que c'est vraiment utile? Soin reçu, plus 25% si PV inférieur à 20%. Ouais, en gros, si t'es à l'agonie, quoi. Je sais pas. Bof. Le Vestal. Le Vestal est intéressant, si vous le mettez en deuxième position, là. Elle soigne un peu plus, et elle fait des dégâts en plus, en fait, sur les coquilles et les horreurs. Donc ça, c'est intéressant. Genre d'infini saignement, 6 biscuits pour chien dans l'inventaire. Ça, c'est pas mal, ça, en fait. C'est pas mal, le sifflement de coquille.
Donc 50% de saignement. Qu'est-ce qu'on lui met au chien normalement? Nous on lui met ça. On lui met ça. Donc champ d'infusion du saignement 30%. Et après on lui mettrait donc ça. Ça fait 50%. Ça fait beaucoup, hein. 80% de chance de saigner. Ah, le mec il fait du saigne. Il saigne tout en fait, sauf les squelettes. Et encore, peut-être que ça passe sur les squelettes si on baisse leur résistance au saignement. Mais bon, est-ce que ça vaut le coup? Compétence de stress plus 40% en protection. Donc si vous protégez, vous pouvez déstresser plus vite. Mais par contre, vous avez moins d'esquive. Donc ben, il va se prendre des baffes. Et la garde dure plus longtemps. Aussi, ça dure quoi? 2 tours de plus au final? C'est comme ça qu'il faut le lire. Plus 66%. C'est 2 tours. Je sais plus combien de tours ça reste de base. Fais voir un peu. Du coup, tu fais quoi? Tu transformes le chien en garde? Ah, ok. Ouais, mais si tu mets ça, soins reçus en moins, compétences de soins en moins. Donc ça va être chaud de le soigner, quoi. Je sais pas, c'est super étrange. J'arrive pas à bien tout utiliser, en fait, l'objet. À la limite, il y a que le 50% de saignement qui est utile. Le reste, c'est pas utile. J'ai envie de dire. Chasseur de primes. Bon, c'est juste de la vitesse et de l'esquive. Pieuse de tombe, donc de l'esquive en plus de la vitesse. Alors la durée d'infection reste plus longtemps, ça peut être intéressant contre les ennemis qui ont plusieurs tours, mais bon, c'est pas le meilleur. Le lépreux, honnêtement, il a pas besoin de ça. Le bandit, oui, dégâts, tout simplement du dégât plus 20 et de la vitesse plus 2, plus 3, pardon. Bon, la résistance à l'étourdissement, ça passe à la limite, moins 15%, c'est pas trop. Mais ouais, sympa. La furie, précision 15, résistance au saignement moins 20. Critique plus 8 contre les saignements. C'est pas énorme parce qu'on peut déjà avoir du critique plus 8, je crois. Vraiment top. Mousquetaire, c'est pas vraiment top non plus. Arbalétrière. C'est marrant parce que bah, c'est les. Je pense que c'est les seuls objets qui sont différents pour l'arbalétrière et le mousquetaire. Parce que normalement, ils ont toutes leurs babioles, elles sont pareilles, je crois. Elles sont complètement identiques. C'est comme les habilités, elles sont complètement identiques. Là, on a dégâts, mais en cible aléatoire. Enfin, 20%, c'est beaucoup. Et là, on a dégâts, compétences à distance, crit, plus 7. Par contre, elle stresse un peu quand elle se fait attaquer direct. L'arbalétrière, techniquement, est plus intéressante, du coup. Intéressant. La pipe du meunier. Oui, la pipe du meunier, j'avais dit que ça avait l'air pas mal. J'ai envie de la tester, en fait. Je vais peut-être essayer de farmer 40 cristaux. Ça doit pas être... Enfin, éclats, ça doit pas être trop difficile de farmer des éclats. J'ai vraiment envie de tester ça, là. Genre, monstre tué, tout le monde prend de l'infection. Je trouve ça vraiment intéressant, en fait. Ah mais en fait c'est pour farmer encore plus facilement je pense tout simplement. Vous mettez ça sur un gros DPS et hop. Et ça c'est pour le croiser. Ah oui! Ah oui, on voulait tester ça. Putain, le poignet non euclidienne. Quand attaque touche infection. Genre le croisé qui fait des attaques d'infection. C'est intéressant ça. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a chance. Genre, lors d'une attaque, cible aléatoire 5%. Mais en fait, vu que le croisé il est très très limité, c'est un peu comme le lépreux, c'est 1 ou 2 en fait. Bon, après, oui, si il a une attaque qui peut toucher l'arrière, mais bon, il faut le placer en, faut le placer en 3 ou 4 et tout, c'est chiant à faire fonctionner. Ça dépend des classes qu'on a avec nous. Mais là, du coup, genre, il tape à l'avant, il pourrait taper à l'arrière à la place. Honnêtement, ça pourrait être intéressant d'avoir du dégât aléatoire, enfin du ciblage aléatoire pour le croiser.
Ouais, non, il y a des trucs de haut niveau là que je voudrais bien tester. Après, les bâtiments, bof. Non, les bâtiments, ça va pas m'aider en fait. Pas vraiment. Bon, on va s'arrêter là. J'ai un peu beaucoup parlé. On a échoué. On a échoué notre attaque. La prochaine fois, qu'est-ce qu'on fait? On a une infection moyenne. Là, on a du vinificateur. Ah, peut-être qu'on peut faire du vinificateur. Parce que honnêtement, c'est facile. Et on prend Montague, Woodville, Ponte ou alors Corbett. Enfin, voilà, on prend des gens niveau 5 pour les monter niveau 6. Ou alors on retourne à la crypte. Et on essaye de débloquer le boss. Ouais, peut-être qu'on fera ça. On verra. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.